elles se nourrissent de moucherons. Elles les attrapent dans leurs toiles concentriques. Si j'étais à ta place, Thierry, je me tiendrais loin des jardins. Une araignée pourrait te prendre pour son petit déjeuner. Moi, Anne-Stéphanie, j'ai rien à craindre des araignées. Parce qu'elles préfèrent les puces de ton espèce. Bon. Ça suffit. Continue, Thierry. La plupart des araignées sont venimeuses. Ça veut dire qu'elles injectent un poison à leur proie, en les mordant ou en les piquant. Wesh! Le poison de certaines araignées peut être mortel. C'est le cas du venin de la veuve noire. Cette araignée vit dans certaines provinces du Canada. Monsieur Sain. Hein? Terminé, Thierry? Non. C'est pas grave. Tu continueras la prochaine classe. C'est tout pour aujourd'hui, les enfants. Excuse de t'avoir interrompu, Thierry. Je me sens pas très bien. C'est pas grave. Et les bandes dessinées, Monsieur Serre, est-ce qu'on peut aller les chercher? Venez chez moi en fin d'après-midi. Pauvre Monsieur Serre. Il n'a pas l'air bien depuis quelque temps. Chez nous, on a beaucoup de respect pour les araignées. Il y en a même qui pensent que leurs toiles sont des œuvres d'art. Ouais, mais c'est vrai que c'est beau, hein? Des fois, on dirait de la dentelle. Bonjour, Thierry. Tes parents vont bien? C'est qui? Elisabeth Sivard, la propriétaire. T'as pas l'air de l'aimer? Je la déteste. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on déménage. Monsieur Serre était son amoureux. Elle l'a laissé tomber. Ah oui? Elle est difficile? Je l'appelle la veuve noire. Comme l'araignée qui dévore ses amoureux. À tes parents d'appeler une ambulance. Penses-tu que c'est grave? Je sais pas. Regarde, il est en train de corriger des copies d'examen. En mangeant des caramels. C'est ta copie, regarde. Il n'y a pas de note, mais il est écrit un mot. Savelli? C'est moi qui avais appelé la police. La police? Non, c'est pas nous, mais c'est peut-être M. Serre. Mais regardez, le téléphone est décroché. Marc, appelle une ambulance. Non, c'est pas nécessaire, j'en ai déjà demandé une. Inspecteur Lausier, connaissez-vous ce monsieur? C'est notre voisin, M. Laurent Serre. Qui l'a trouvé? C'est nous. Monsieur Serre est encore plus pâle que Monsieur Ocarino. Tu trouves pas, maman? Ocarino? Qui c'est, celui-là?
le voisin du troisième. Il s'est empoisonné le mois passé. Il a été malade pendant 3 semaines. Madame bien-aimée, s'il vous plaît. Ah, c'est moi. Merci. Okay, faites attention. Je pense des choses bien louches dans cet immeuble. D'abord, Ocarina a empoisonné il y a 3 semaines. Puis maintenant, M. Serre, qu'on se trouve inconscient. À quoi tu penses? Toi, là, si t'étais malade, qui t'appellera en premier? La police ou l'ambulance? Ça va, Lee. Pas un titre, en tout cas, ni un nom d'auteur. Il y a personne sur le monde qui savait lire dans l'annuaire. Tortellini, macaroni, ravioli. Des Savelli, c'est peut-être des pâtes? Rien sur les Savelli. Ni pâtes, ni mets, ni sauce. Ben, on devrait interroger la propriétaire, Madame Sivard. Ou les Ocarino, ils sont italiens. Si Savelli n'est pas une personne, ils savent peut-être ce que c'est. Oui, mais pourquoi ils répondraient à nos questions? On n'est pas de la police. Mais on vend du très bon chocolat. Oui? Je vends du chocolat, mais c'est pour moi en école. J'ai l'impression d'en acheter toutes les semaines de chocolat. Attends 2 minutes. C'est bien 2 $? Merci. Vous avez une belle collection d'insectes. Hein? Est à vendre. Elle appartenait à mon défunt mari. Ben, j'ai un ami qui collectionne des insectes. Je peux peut-être lui en parler. T'es gentil. Au revoir. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me dire à quel appartement habite M. Savelli? Qui? M. Savelli. On m'a dit qu'il habitait l'édifice. Il n'y a pas de Savelli ici. Je devrais le savoir, je suis la propriétaire. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Merci. Au revoir. J'ai vu une araignée géante. Elle était grosse comme ma main. Voyons, t'hallucines. Hey, je vous le jure! Qu'on me change en brocoli si j'ai menti. Wow! Ça serait difficile de passer à pire châtiment. Comment ça? J'hallucine. Salut, Ornella. Tes parents sont ici? Ma mère est au travail, mon père dort. Ah, je te présente Arthur. On est dans la même classe. On fait une recherche à l'école et on est tombé sur un mot italien. Savelli. Et même l'ordinateur de la bibliothèque que j'ai consulté ne peut nous renseigner. Comme vous êtes d'origine italienne, Thierry et moi, on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. J'ai jamais entendu ce mot-là, mais je vais demander à mes parents. Si t'apprends quelque chose, tu viens me le dire, OK? OK. Merci, Ornella. Allô? T'en fais une drôle de tête? Hi.
viennent de rencontrer la belle Ornella au Carino. Bon, ça va. Madame Sivard, est-ce qu'elle savait quelque chose sur Savelli? Non, rien. Mais elle a une superbe collection d'insectes, par exemple. Vivant? Ben non, mort, épinglé. Est à vendre sa collection? Tiens, Thierry, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une copine de classe me dit que vous aviez une belle collection d'insectes et d'araignées à vendre. Mm-hmm. La petite au chocolat? Oui, Andrea. Comme ça, c'est toi l'acheteur dont elle me parlait. Hein? Mais tu sais que c'est une collection qui coûte très cher. Mais tu peux la voir quand même. Viens. Prends tout ton temps, Thierry. Ah, wow! La cigale géante de Malaisie. Au revoir! Pas très doux, l'inspecteur, là aussi? Comme si je dérangeais le pape. Est-ce qu'il sait quelque chose? Non. Savelli, ça lui dit rien. Même les Ocarinos connaissent pas ce mot-là. Mais moi, je vois qu'une solution. Imprimer des affiches de recherche sur Savelli, puis les coller partout. Comme quand j'ai perdu mon chien. Oui, allô? Ah, inspecteur, bonjour. Du nouveau? Je lui demande tout de suite. Quand t'étais chez M. Serre, t'as pas mangé de caramel, j'espère? Du caramel? Non. Non, inspecteur, elle en a pas mangé. Ben, pour les autres enfants, il vaudrait peut-être mieux vous en assurer vous-même. Poli, l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il voulait? Monsieur Serre aurait été empoisonné par des caramels. C'est très grave. Il est encore dans le coma. Des caramels? Des caramels. Oh non. Pas encore une de vos histoires compliquées.